Le bilan est inhumain. Entre 13 et 17 millions d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés à leurs terres, déportés. Et Nantes est au cœur de l'horreur. 43% des campagnes de traite françaises partent des bords de Loire. Un commerce de la honte, orchestré par de richissimes familles d'armateurs, de négociants. L'aristocratie à la tête d'un système qui, à l'époque, ne dérangeait personne et dont, au final, tout le monde profitait. C'est une multitude de personnes à Nantes qui travaillent dans l'artisanat, qui travaillent dans le commerce, qui travaillent dans la restauration, l'alimentation, etc. Et qui ont pignon sur rue. Vous avez des forgerons rue Racine qui proposent leur savoir-faire pour vendre et fabriquer des colliers, des chaînes, des poustiers, des fers pour les nègres, des femmes qui sont des couturières, des tricoteuses qui tricotent des bonnets à nègres, des chemises à nègres. Ça paraît invraisemblable aujourd'hui de penser ça, mais c'était des annonces qui étaient passées dans les gazettes locales que tout le monde lisait et ça gênait strictement personne. Les esclaves qui étaient pris à la Côte d'Afrique transitaient par les Antilles. Et ensuite, des Antilles, ils revenaient avec un capitaine ou un armateur pour devenir domestique. Mais ça peut aussi être des personnes qui sont mises en apprentissage chez des maîtres apprentis et qui vont apprendre des métiers utiles aux colonies. Donc en règle générale, les gens qui sont en esclavage sur le sol de France ne doivent pas rester toute leur vie en France. La durée de leur présence est limitée à 3 années, soit pour leur éducation religieuse, soit pour apprendre un métier. 550 000 esclaves ont transité par Nantes, 700 sont restés vendus à la grande bourgeoisie. Lorsque la traite est devenue illégale, Nantes est le seul port qui a véritablement persévéré dans la traite, alors qu'il y avait une interdiction. Et tout le monde savait que les bateaux partaient à la traite et personne ne disait rien. Il a fallu une série de lois coercitives pour qu'enfin les Nantais s'arrêtent. Mais on peut supposer que des bateaux sont partis jusqu'à la fin de la première moitié du 19e siècle. Nantes va véritablement être un acteur extrêmement important de la lutte contre l'abolition, contre les abolitions. Et ça, depuis la première abolition en 1794. Les enjeux financiers sont énormes, les bénéfices, lorsqu'ils existent, sont énormes, et on est dans une société qui a du mal à se projeter à ce moment-là dans un autre système. C'est la première mondialisation, la première globalisation, et il va falloir... En fait, réfléchir à une manière de continuer à progresser en tant que société capitaliste sans cette main-d'œuvre qui est la main-d'œuvre captive. Derrière les façades cossues qui portent encore les traces de ce que fut l'histoire pendant 2 siècles, certains descendants des grandes familles négrières sont encore là. Eux, qui ne sont en rien responsables des actes de leurs ancêtres, n'ouvrent que rarement la porte dans cette ville qui, depuis des années, a choisi d'assumer la part la plus douloureuse de son passé.